Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un make-up, comme ça se voit bien évidemment. Donc je vais tester quelques petites nouveautés que j'ai achetées récemment. On va d'abord parler de la palette Yoda, Maître Yoda, voilà, comme ceci, de chez Colourpop, qui est juste magnifique. Je vous la montre. Voilà la beauté. Des fards verts, tout ce que j'aime pour l'instant. Ensuite, on va tester le petit blush Cover FX. Alors, on va tester, j'ai déjà testé ces blushs-là, mais c'est la teinte Warm Honey que j'ai acheté très récemment et que j'ai pas encore utilisé. Voilà. On va aussi tester un rouge à lèvres de chez Spectrum, comme ceci, de la collection Zodiac. Un nude. Voilà, on va voir ce qu'il donne. Et je vais enfin tester ce produit que tout le monde connaît de chez Charlotte Tilbury, donc le bronzer et highlighter. Hop, avec le packaging de Noël, il est trop beau. Voilà, voilà. Alors d'abord, je vous laisse avec les Ace Swatch et ensuite, on se retrouve pour le make-up. Voilà, donc vous venez de voir les Ace Swatch. Maintenant, on va commencer par le make-up. Donc j'ai déjà fait juste mon fond de teint. J'ai pas mis l'anti-cerne au cas où il y aurait un peu de chute, bien que j'ai déjà testé. Il n'y a pas tant de chute que ça, mais je préfère quand même. Au fond de teint, En fond de teint, j'ai mis le Dior et le L'Oréal, comme d'habitude. Le L'Oréal, on arrive enfin au bout. Hein. Hier, il a fait ses petites proutes-proutes qu'il n'y avait plus rien, mais aujourd'hui, il ne l'a plus fait. Donc à mon avis, on est encore pour un ou deux jours. Voilà, donc mélange comme ceci, comme d'habitude. Et le reste, je n'ai pas encore fait. J'ai juste mis mes collants et ma base de chez NYX sur mes paupières. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je prends un pinceau de chez Zoeva. Voilà. Et on va prendre le fard juste ici au milieu pour faire le creux de paupières.
Voilà, ensuite je vais mettre le plus foncé. Alors j'hésite, je vais mettre celui-ci. J'hésitais avec celui-ci, mais je vais mettre celui-là je pense. Je vais refaire le même make-up que j'avais dans une de mes vidéos. Parce que justement il a plu à plusieurs personnes, donc au moins, voilà, je vais faire le même. Sinon j'aurais hésité à mettre l'autre, mais je vais mettre le plus foncé en coin externe. Alors je vous dis même pas, je viens de faire une de ces commandes Colourpop en plus, avec les nouvelles petites palettes qu'ils ont fait, enfin nouvelles. Ils sortent tellement de nouveautés que je sais pas si elles sont encore top nouvelles, mais je les trouve trop belles. Je sais plus comment elles s'appellent ces palettes, mais elles sont trop trop belles. Donc je remonte un peu dans le creux aussi, mais en dessous de l'autre couleur, hein, bien évidemment, pour pas faire partir l'autre. Enfin, qu'on la voit moins du moins. Ouais, donc là je suis impatiente. J'ai fait une de ces commandes aussi sur, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, sur BH Cosmetics. J'ai acheté toutes les palettes avec la glace, là. Celles qui font glace quand vous les mettez ensemble. Et je les ai toutes prises. Donc voilà. Je ne sais pas si vous les verrez dans un haul ou si vous les verrez directement en action. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais elles sont trop trop belles. Et sinon, là je vais préparer une vidéo wishlist parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis, enfin qui sont sortis ou pas encore sortis, qui me font trop envie. Donc je ne fais pas tous les mois ces vidéos-là, ça dépend ce qui me fait envie, mais là, il y a pas mal de collections qui vont sortir prochainement. Donc voilà, je repasse l'autre pour estomper sans rien remettre dessus. Et ensuite, je vais mettre au milieu de ma paupière mobile le fard que je préfère dans cette palette. C'est celui-ci. Il est magnifique. Il a des reflets. Il est trop trop beau. Donc je vais mettre celui-là au centre. Regardez-moi ça. Alors en coin interne, je vais mettre le petit argenté ici. C'est un argenté un peu spécial, il est trop trop beau aussi. Voilà, on va retirer les petits collants et ensuite je vais mettre mon anti-cerne. Je vais finir le teint avec la poudre et l'anti-cerne et après on se retrouve pour faire le ras de cils et tester les produits, le blush, le bronzer. Voilà, voilà. Alors niveau sourcils, je les avais déjà fait en fait, je vous l'avais pas dit. J'ai utilisé ce crayon de chez Urban Decay que j'aime pas trop en fait. Donc, mais il est bientôt terminé, je pense. Alors ensuite, niveau ras de cils, je vais juste remettre le plus foncé que j'ai mis en coin externe, c'est-à-dire celui-ci. Ce petit pinceau de chez Jésus, je l'adore. Je sais pas c'est quel numéro, mais il est trop bien. Je vais regarder, j'ai mes lunettes. C'est le 237 et je fais tout avec le coin interne, le ras de cils. Je l'aime trop. Franchement, trop trop.
Et en coin interne, je vais mettre ce petit fard qui est plus un topper, mais avec des reflets jaune-vert magnifiques. Même plus jaune et blanc. Il est vraiment très très beau. La texture est un peu particulière. Mais avec ce pinceau aussi, il va bien. Il est trop beau. On pouvait par exemple aussi faire un tout avec les mattes et mettre celui-ci après par-dessus. Ça doit être magnifique. Il faudrait que je teste une fois. Parce qu'en général, je l'utilise en coin interne. Voilà, donc pour les yeux, c'est presque terminé. J'achèverai après. On va faire le blush et le bronzer. Donc pour ça, je vais prendre le CoverFX, mon pinceau Sigma, et je vais mélanger les deux teintes, en fait. Je commence par pour mon blush et le bronzer. Bien, bien, bien. Non, on va commencer par le bronzer. Celui-ci est pareil, pinceau Sigma, hein. Du coup, là, on repasse au blush. Je crois que j'ai pas besoin d'en remettre sur mon pinceau. Voilà, et on va essayer l'highlighter avec le pinceau que j'ai eu dans le petit kit, avec la palette Charlotte Tilbury. Donc, on va essayer ça. Mais en insistant un peu plus, je sais pas si vous verrez, mais on le voit quand même. Ouais, c'est pas mal. Et le pinceau, il va bien. Petit, mais il va bien. Alors, je termine les yeux et après, on se retrouve pour la bouche. Alors, on va passer au rouge à lèvres Spectrum, comme ceci, qui est la teinte Élément. Un magnifique nude, tirant plus sur le marronné que le rosé. J'ai les deux, hein, j'ai le marronné et le rosé. Donc, c'est un mat. Alors déjà, il est assez sec à mettre. Et la texture est très très bizarre. Ça fait un peu sablé, comme ça. Voilà, voilà. Mais la teinte est franchement très très belle, mais il est très très sec et même pour pincer ses lèvres, il est quand même assez, assez difficile, mais il est très très joli. Bien opaque, parfait. Non, j'aime beaucoup la teinte. Elle va bien avec le make-up, je trouve. Donc voilà, alors niveau blush, les blushs, je les avais déjà testés, j'aime beaucoup. Moi, je mélange toujours les deux. Et franchement, j'aime trop. Ils sont trop trop bien, ils se travaillent super bien.
la palette Charlotte Tilbury. Très étonnée aussi, quand j'avais swatché la teinte, je la trouvais un peu claire. Mais bon, moi je suis très claire, donc c'est pas un souci. Mais je la trouvais quand même un peu claire pour moi. Et franchement, elle est très très bien. Et l'highlighter, je suis étonnée. Je pensais pas, mais il est. Je pensais utiliser que ce produit-là dans cette palette. C'est pour ça que j'avais un peu peur de l'acheter. Mais là, j'aime beaucoup. Donc, ouais, il se voit bien. Donc, ça c'est chouette aussi. Et niveau palette Colourpop, ben, pigmentation toujours au top. J'aime trop. C'est dommage que les frais de douane sont toujours d'actualité pour la Belgique. J'espère qu'ils vont bientôt changer ça. Mais sinon, je commanderai plus souvent. Mais là, ouais, celle-là, je pouvais pas passer à côté. Et elle est très très jolie. Et franchement, le make-up, vous avez vu, il était très très simple à réaliser. Ça a été très rapide. Et j'aime trop. J'aime trop. Ça fait déjà deux trois fois que je fais ce make-up. Et je l'avais déjà fait une fois en vidéo. Vous l'avez remarqué d'ailleurs. Et ouais, j'aime trop. Elle est trop trop belle, cette petite palette. Trop trop belle. Dans les tons verts, j'aime trop. Et je vais... donc là, j'ai commandé quoi sur Colourpop? J'ai commandé les trois petites palettes, mais dans les teintes foncées, comme ça. Je sais plus comment elles s'appellent. J'ai commandé... moi, je crois que j'ai commandé 6-7 palettes. Ouais. Donc, et des rouges à lèvres aussi, pour tester les rouges à lèvres Colourpop. Voilà pour ce petit make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up, si ça vous a plu. Bientôt, je ferai la vidéo avec les palettes BH, soit dans un haul ou quoi, et vous me direz par laquelle vous voulez que je commence. Moi, je pensais pour commencer par le haut de la glace, bien évidemment. Donc voilà, je trouvais ça une bonne idée. Pareil, bah, les palettes Colourpop, je ferai certainement d'autres vidéos Ace Watch avec les nouvelles qui vont arriver. Mais à mon avis, je les aurai pas d'ici... pas avant la semaine prochaine, parce que j'ai commandé il y a quelques jours, et en général Colourpop faut une quinzaine de jours, pour la Belgique du moins, ils sont pas très rapides, donc voilà, maintenant ça ira peut-être un peu plus vite maintenant que les fêtes sont passées, on verra. Mais de toute façon, ça, je vous ferai un haul Colourpop, parce qu'avec tout ce que j'ai commandé, à mon avis je vous ferai un haul spécial Colourpop, et là vous me direz quelle palette vous voulez que je teste en premier. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.